Salut tout le monde, c'est Alice. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 52, je ne sais plus. Je suis en train de filmer tous les épisodes à la suite, c'est pour ça. Du Family Dynamics Challenge. Nous sommes mercredi, il est 7h du matin. Et Jonathan est déjà sur sa platine de musique afin de faire un nouveau tube. Qui d'ailleurs, je dois améliorer. Voilà, c'était le morceau le plus pourri du monde. Hop, on va pouvoir l'envoyer, je suppose. Ah mince, il est parti en cours. Bon, tant pis. Elle est encore en train de vendre des trucs. D'ailleurs, ah mince, elle est fatiguée. Tu vas jouer à la loterie, tiens. Juste pour pas que tu dises « j'ai passé un mauvais jour férié ». Bon, finalement, je vais te faire te coucher assez rapidement. Et puis, je pense qu'on retournera à San Myshuno. Bon, du coup, nous voilà à San Myshuno. J'espère trouver des trucs quand même, parce que bon, je ne viens pas ici pour rien. Allez, des petites affiches. Est-ce qu'on aurait des boules à neige? Oh, j'en vois pas. Je désespère assez rapidement, je trouve. Mais bon, en même temps, il n'y en a pas, ça me dégoûte. Je suis extrêmement dégoûtée. Bon, du coup, je vais au quartier des épices, mais c'est pas grave. Tant pis. Il y a pas mal de trucs ici quand même. Il y a aucune boule à neige? Non mais... Quel est cet affront? Non! J'en ai trop marre de ma vie. C'est pas juste. Ça se passe pas comme je le voudrais. Du coup, je suis en colère. Alors, on va commander un petit tagine. Histoire de pas être venu vraiment pour rien. Partir avec Jonathan. En plus, il est en cours, donc je vais lui dire « Sors de cours, on va en boîte !» J'aime bien le mec. « Bon les gars, je sèche le dernier cours, ma mère elle veut qu'on aille en boîte de nuit. » Comment ça, j'ai déjà décollé l'affiche, c'est faux? Je viens d'arriver. Non mais c'est une blague. Ça suffit là, c'est une mauvaise blague. Bon. Tu vas faire pipi. Ah mais si on était là tout à l'heure, je suis bête. Oh. Jouer un morceau, tiens. Joue le dernier morceau de Jonathan Lama. Parce que c'est quand même bien stylé. Ah mais ça le joue sur le truc. Toi d'ailleurs, à la base je voulais te faire prendre les affiches et tout. Ah voilà. Une petite affiche, ça fait plaisir. Ça mange pas de pain. Ah il y en a une là aussi. Oh, y a vraiment rien du tout quoi. Je suis outrée. On va finir la collection des affiches avant celle des boules à neige parce qu'il y a zéro boule à neige quoi, c'est décevant. C'est du groove. C'est parti. Ouais. Trop stylé. Ben du coup toi, je vais te faire rentrer à la maison vu que de toute façon il n'y a plus rien. Et vraiment quand c'était le festival en fait, tant pis. On s'ambiance, c'est trop bien. D'ailleurs, je pourrais inviter mon groupe. Les fêtards, comment c'est réunion? Hop là. Il a des pourboires. Non mais quand même, ça c'est stylé. Tiens, tu pourras commander à manger aussi. Ah, oh, j'ai faim maintenant. Niveau 7, yes. Ah, il y a des affiches en plus. Bon. On va les prendre du coup. Hein, des fois que... Je vais regarder quand même où on en est. Oh, il a un fossile. Ah, mais il a des trucs en fait, lui, dans son inventaire. Bah alors, tu m'avais rien dit, petit filou. Ouais, il nous manque 4 affiches et 4 boules à neige. Bon, bah, c'est égalité, quoi. Ouais, oh, il a DJ Candy. Et bah, c'est parfait, ça. Ah oui, c'est vrai qu'il a un morceau à sortir. Et t'es déjà réveillé toi? Mon dieu, elle est trop rapide. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui lui arrive? On voit une ancienne lumineuse cassée. Oh, dommage. Ah, c'est ces enseignes lumineuses qui font du bruit bizarre à lui. D'accord, mais oui. Elles sont tout le temps allumées, donc elles sont toutes cassées. C'est pour ça. Et du coup, mon label, il me contacte jamais, quoi. Ah, vérifier la situation. Tout jeter. Qu'est-ce qu'ils me disent?
Jonathan a sorti 3 morceaux à ce jour. Jonathan a 3 jours pour sortir une nouvelle chanson. S'il ne respecte pas ses délais, Bonson se verra contraint d'annuler le contrat. Oh, 3 jours. Waouh. Eh, ils sont chauds, hein. C'est trop bien. Voilà, allez, parole pop. Très bien, c'était un morceau de rock, c'est pas grave. Tiens, je t'ai demandé de te bagarrer avec le chien, toi. Ça t'aide pas dans ton social? Il y a toujours le sapin, mais... J'ai vraiment la pire. Oh, mais... Pff. Oh oui, du coup, il appuie son coussin, lui. C'est trop horrible. Je suis vraiment la pire. Ah, comment ça, je peux pas? Ah oui, alors là, en plus, il y a des boules à neige. Je vais pas les voir. C'est le bazar, ici. On ne voit plus rien. Oh, mais il y a une tempête de neige, en fait, là. C'est pas possible. Faire un bonhomme de neige, tiens. Occupe-toi. Elle est en tenue habillée, en plus, là. Il fait froid, mais je suis bien. Enfin, je suis bien. Tout est relatif, n'est-ce pas? Allez, bon, les affiches. On a 12 boules à neige et 11 affiches. Ok, donc on a toujours aucune nouvelle affiche. Quoi? Il m'a réinitialisé le truc? Il se fout de moi, là? Non, mais... Oh, je vais péter des câbles. Du coup, je vais tricher parce que ben, j'ai déjà fait, en fait. Oh, il y a un cirque. Allez, on va aller au cirque. Ah bah c'était rapide. Quel spectacle de cirque. De cirque captivant. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. J'avais tellement peur pour les acrobates qui faisaient des pirouettes au-dessus des pics. What? Il y a des gens, ils sont fous quand même. Bref, allez courir. C'est parti mon petit. Dans la tempête en plus. N'importe quoi. J'ai vraiment aucun scrupule. Bon, du coup on se retrouve... au marché aux... Non, pas au marché aux puces, pardon. À la fête des épices. Et du coup, je vais en profiter pour prendre quelques trucs. En espérant qu'il y ait des boules à neige. Il s'est rien passé du tout entre-temps, clairement. J'ai essayé de trouver des nouveaux trucs sans succès, bien entendu. Jonathan est allé à l'école, comme vous le savez. Donc du coup, il est revenu. Vraiment rien de spécial. Tiens, tu as tenté le défi du curry épicé, d'ailleurs. Ça peut être rigolo. Oups. Et puis toi aussi d'ailleurs, j'ai envie de faire souffrir mes Sims. Voilà, je suis la pire. Bon, sinon à la base, moi là, je suis là pour ça. Eh, hey, y arrive elle, hein. À force. Franchement, elle a réussi. Bravo. Il en manque deux. Ok. C'est tendu, mais c'est possible. Ils sont tous bloqués avec leur assiette, c'est normal. Est-ce que vous avez ce bug? Parce qu'il vient d'apparaître, perso. Enfin, je ne sens pas que ça ait fait ça. C'est peut-être la fête des épices. Ils disent, oh là là, cette assiette était tellement savoureuse, je la garde dans mes mains. Une super fête à la boîte de nuit en ce moment. Franchement, je suis tentée. Bon, allez. Avec son père, quand même. Non, mais... C'est pire que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, c'est moi qui ai choisi de l'amener. Mais là, c'est pire. Oh, en plus, elle est grave stylée, cette boîte de nuit. Non, mais attendez, mais c'est pas une boîte de nuit, ça, c'est... Oh, putain, c'est super stylé. C'est la Plum Bella Save, hein, encore une fois, si vous vous demandez. Bon, bah, toi, du coup, dégage. Hop. Et puis, je vais mixer des trucs. Parce que... Des remixes, c'est grave stylé. Allez, c'est parti. Ah, mais ça fait grave stylé comme truc. Contente. Ça faisait longtemps que j'ai pas joué avec la cabine de DJ et c'est vraiment rigolo. Voilà. Bon. Ah, c'est une soirée dansante. Ça veut dire que je peux pas partir. Ouais, bah là. Il est quand même un peu fatigué, mon pauvre Sims là. Donc. S'il est très joueur, il va bientôt crever. Sur ce, je vais laisser l'épisode là-dessus. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à mettre un pouce en l'air. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et bon jeu sur les Sims!